Ça fait des années qu'en arrivant pour la messe du samedi soir à Quatre-Coco, à Saint-Dominique, ça me fait mal de voir les enfants de la catéchèse debout sous les arbres, debout sous les arbres, quand le temps le permet, pour faire la catéchèse. Et d'autre part, il n'y avait pas de lieu pour que les adultes puissent se réunir. Et ça fait longtemps qu'on voulait avoir une salle, un lieu. Alors, ce projet date de 3 ans et voilà qu'aujourd'hui, il aboutit. Bientôt, nous allons pouvoir inaugurer une salle d'œuvre. Nous avons dû faire l'acquisition d'un terrain. Heureusement qu'on a eu un terrain adjacent à l'église. Et puis, il a fallu trouver des finances pour faire cette salle d'œuvre-là. Alors, les paroissiens se sont mis à faire des levées de fonds. Et puis, nous avons eu de l'aide avec les OPM. Et puis, il y a le diocèse aussi qui nous a aidés avec les chantiers du diocèse. Et puis, la paroisse a fait un apport. Et nous sommes arrivés construire une magnifique salle d'œuvre qui sera inaugurée bientôt. C'est avec grande joie que les paroissiens accueillent ce projet qui a pu aboutir. Alors, donc, c'est une occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont aidé. D'autant plus que cette construction était prévue, bon, on allait le faire, mais on a eu un imprévu, c'était l'église de Poste de Flac, où les colonnes étaient complètement rongées par les termites. Et là aussi, il a fallu faire un gros investissement pour réparer cette église. Alors, nous avons réussi à faire ces deux projets, je ne sais pas comment, mais grâce à la collaboration de tout le monde. Alors, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés.